Bienvenue dans l'autre édition de Jen and Jen Show. Show parlant, show parlant, show nous tout qui a regardé nous. Et nous connaissons toujours une salutation spéciale à ma co-animatrice Jen. Bonjour Jen. Qui joyeux. Mes amis, comment on fait frais comme ça à soir? Ah, à soir? Baka comprendre parce que moi met un collier spécial, un collier vraiment extraordinaire à soir pour émission. Où sont mes oui? Bon, bah on est au point de dire que soit mettel. Et même mettre collier ça, ou pas bien peur. C'est parce que invité en qui là avec nous c'est une invité parce que mon obligé dit une pour qu'à préciser. Il remet peur. OK. Voilà. Alors t'es renseigné au oui, de ça. Oui, alors ouais. Même zone c'est père. Oh my God. Alors, où qu'on est? On comprend tout bagage. Alors, on a profité saluer mon en République Dominicaine qui a gardé nous là présentement et mon au Chili, mon Brésil et mon Haïti également Jen parce que mon ça vraiment nous jeune en pile love de mon ça. Alors, on a profité dit nous merci pour toute love ça. Et moi-même m'a profité dit tout monde dans la cour Montréal, merci pour support nous, merci pour love là parce que nous grand pile mon ici cap encourager nous forme baio une mention spéciale. Merci. Et nous connaissons toujours by love là avec tout le monde qui est États-Unis parce que États-Unis nous pas capable oublier, vous comprenez? Alors shout out one love et puis merci à tout le monde à travers le monde qui a supporté nous et nous connaissons que m'a toujours dit à l'abonner nous à subscribe et nous connaissons depuis nous subscribe bon petit cloche en l'air à droite là depuis où nous cliquons sur lui depuis Jen and Jen Show la bon bagaille ou pas capable voilà. Alors, m'a présenté nous invité ça nous gars à soir. Invité ça tellement spécial et nous t'attendons depuis bien longtemps. Oui. Mais manque de temps, les potes pour qu'elle vienne à soir, elle fait nous honneur que elle vienne dans Jen and Jen Show. Alors, c'est madame Anastasia Marcelin. Bonsoir. Merci pour votre invitation. Ça fait nous plaisir. Ça fait nous plaisir. Le fait que vous acceptez de venir ici. Merci. Ben, je suis toute petite là, je suis pas une ah non, mais quand même. J'adore ton collier. Merci. Ah, wow. Ah mais c'est pour spécialement pour toi. Tu vois. Alors, pas de bâtiment. Parce que quand tu mets des perles, t'as l'air d'une grande dame. T'as l'air d'une femme riche. Une femme qui est riche. Oui, même si toi, tu vas gagner. Voilà. Mais pour paraître une grande femme. Fait que c'est pour ça que tu mets tes colliers. Mais merci pour l'invitation et ça fait un plaisir pour que tu viennes parce que nous sommes fait 3 mois ici. Oh, on a quitté surprise ça pour mon Dieu, mes amis, qui va aller là. Alors, restez branchés, n'attendez pas tout à l'heure comme ça. Salut tout le monde. GNG Show! GNG Show! GNG Show! GNG Show! Bienvenue dans l'autre édition de Jen and Jen Show. Alors, assoyez nous avons coquin chaîne émission pour nous assoyez parce que nous avons Anastasia Marcelin avec nous. Oui, bonsoir. Anastasia, quel autre timide? Quel autre timide? Beaucoup pour ouvrir elle, moi, on comprend. Ah oui. Donc, on nous a fait introduction à l'émission. Tout à l'heure, nous avons présenté nos invités charmantes, nous, qui là. Belle dame, belle femme créole, et que nous connaissons un pile monde dans notre communauté. Oh, oui. Donc, nous pas qu'à exprimer sentiment, nous sommes contents. Gay invité ça avec nous à ce alors en quelques mots nous allons demander à Anastasia pour présenter tête li qui est qui Anastasia gay monde qui peut-être mettre des li pour détailler qui genre de femme liée qui ça le faire en tout cas m'a quitté Anastasia présenter tête li rester branché pour nous prendre note oui parce que un petit bagage jouette qu'a fait là c'est vrai bon, bon qui est Anastasia et Anastasia c'est une petite dame un petit monde qui a 35 ans. Waouh. Ouais, moi fait Haïti, moi grandi Haïti, moi son bail moi me dit en pile, moi connais côté me sorti. C'est bien important. Oui. Moi fait Haïti, moi grandi Carrefourfeuille. M'ba grandi petit en ville, m'ba grandi dans l'élite. Dès qu'on allait dans l'école, même genre avec tout le monde, l'école populaire, oui, m'passé l'école surtout.
et me passer l'école protestante tout parce que m'étais bagarreuse j'étais pour mettre me dehors l'école souvent. bon ou impressionné par son dire là impressionné oui ben moi grandi Carrefour moi arrivé Montréal en 99 fin année 99 et m'habité Montréal Nord boulevard Henri Bourassa côté me passé presque 15 années sous boulevard Henri Bourassa et moi étudié dans le domaine dentaire et les adaptations et Québec là c'était très très dur pour moi sont même pas jamais caché surtout au niveau scolaire et parce que m'étais sorti dans l'école en Haïti puis l'aime venir ici c'est un bagage qui était complètement différent pour moi. Moi passé 12 ans 11 à 12 ans malade, 11 ans malade et ouais, quand j'étais fait diabète, hypertension, cholestérol, j'avais plus de 15 maladies et puis après ça ça passe encore. Et docteur était condamné, il te dit je ne dois pas jamais qu'à travailler dans la vie encore. Et me sorti loin dans la vie. Je suis sorti loin, tu as pas pour parler là, je pas tu as fini. Non, je pas fini. Histoire là. Et histoire c'est soit même vinn jamia son deuxième chance la vie avant moi et il était important pour moi pour bien vivre. Deuxième chance ça que la vie avant moi. Côté pour moi faire tout ça moi te penser me pas cap jamais faire encore dans la vie fait que en 2013 avant me te faisais 275 livres 265 livres et ça? Ouais me te faisais 265 livres fait l'aime commencer maigrir premier bagage moi faire m'inscrire comme miss miss créole Québec parce que au con leur gros ou pas qu'à miss ou gien pile bagaille ou pas qu'à faire fait que c'était important pour moi t'al faire ça à partir de bagaille miss ça moi commencé à brûler étape m'inscrire dans plein d'affaires pour participer dans plein de bagaille moi lancé comme entrepreneur en 2012 côté me fait premier défilé cheveux naturels femme noire au Canada. On gagné plusieurs prix pour ça et on gagné prix la chambre de commerce du Canada, on gagné prix jeune leader noir du Canada. On gagné plusieurs bagages. Expérience la vie, c'est toujours pour me faire jeune haïtien comprendre. C'est pas koto sortia qui détermine koto pour aller. Koto sortia c'est juste un passage pour propulser koto droit arriver dans société. Bien dit. Fait c'est expérience vie moi c'est un fierté pour moi pour me partager avec jeunesse haïtienne. Jeunesse qui compte qui est sur et jeunesse qui compte côté yo vle aller côté yo vle arriver dans société a. Fait que son bagage qui était très important pour moi. Voilà, c'est un petit peu le parcours, m'ba touché parcours activiste, m'vinn l'activiste militante politicienne. Wow. Mais c'est femme d'affaires. C'est son bon les questions là, son total chaîne femme. Oui, nous exactement, mais avant que m'rentre dans question là comme si ça que moi-même vle dire conseil que quand même ou son dame qui accomplit en pile bagaille et talent ou d'un bagaille qui vraiment important on dit comme ça que la vie en bon deuxième chance ou saisir. Alors on t'a souhaité que tout le monde cap tendez nous là pour prendre note parce que des fois il y a des séries de situations qui arrivent dans la vie les la vie en bon une deuxième chance ou supposé saisir et c'est exactement ça que vous faites. Félicitations. L'été important pour moi et après 2013 pour me propulser, il était très important pour moi pour me faire bagaille parce que pas bien communauté haïtienne non c'est une communauté qui damné monde pas condamné non damné parce que si on monde condamné on les cas des condamné après on monde qui damné c'est un monde qui pas vraiment qu'un côté encore voilà. C'est fini pour lui c'est dans pile moun nan communauté haïtienne nan ki reme danner petit moun c'est comme pour dire ah ça li pa jamais rien dans la vie so di an son gros bagaille ouais. Bon Anastasia ou konnen moi même personnellement ben pas quasi juste moi même personnellement moi crois que public la konnen comme une femme comme une activiste on prend connu surtout nan monde politique. Alors, ou déjà, vous n'avez que vous avez posé une question.
Alors, parlez-moi de cheminement, qui genre comme si carrière commencé dans le domaine politique. Qui ça qui vient pousser ou? Ok. Vous comprenez? Après chemin ça. Comme nous connaissons toute famille haïtienne politicien. Politicien. Ça c'est comme si c'est inné. C'est inné chez nous. Et puis moi-même grandi côté moi papi toute la journée à parler de politique. Depuis que j'ai 6 ans. Depuis que j'ai 6 ans, moi toujours dans la politique là, m'a coûté et politique. Je me suis dit, en 1988, parce que tu fais maintenant tes fêtes, en 1988, il y a des choucages. Côté n'a pleuvé la nuit, n'a pas gardé ça et puis pas dormi, politique a tombé en dakar là. Parents me grandit, nous c'est deux plus vieux parce que papi gagne un petit un petit jumeau lit et puis gagne moi-même. Les mêmes gagne 2 ans plus moi. Je vois même comme ça dit. Bon, activiste. Wow. Bon. Alors... Les parents yo toujours dit nous gagne 2 petits monde, nous lever, nous pas comprendre rien. Bon ouais les bails qui passent dernièrement passé n'a vinn sous ça après maman m'a même relé maman me dit bon les gars moi pour bail politique là c'était dans moi depuis me grandi mais côté activiste ça qui vinn pousser moi pour m'activiste c'est l'aime vinn Montréal m'pas trop noir dans télévision. Ok, alors ça c'est comme déranger. Oui, oui. Mm-hmm. Okay. Et puis, nous, à moi, c'était Varda Etienne et avec Michael Jean. Oui, okay. C'est vrai. Oui, c'est à l'époque, c'était oui, deux oui, mounes, oui, ça. Oui, c'était deux vrai. Femmes, ça. Mm-hmm. Et Varda Etienne plus rejoindre moi que Michael Jean dans son temps, ça. Parce que Varda Etienne, c'est styliste. Moi, je me dérangeais tout bas qui. On. C'était ça me dérangeait. Moi, je pas jamais pensé me d'apprendre dans bail politique bail ça. Moi, c'était chanter, écrire et bail ça me dérangeait. Fait en grandissant, les m'a moi télévision pas gain monde qui représentait, m'a cherché identité, m'a pas ca joindre parce que sa télévision projeté ba ou assez son vignier ou vinn rentrer dans soulier blanc, m'a pas ca rentrer dans soulier blanc. M'a gon identité pour me développer. Fait à travers ça qui a passé yo mais ça vient calculer ça vient monter dans tête moi m'a dit mais non comment fait pas gagner noir dans tel domaine comment fait les bagages activistes a commencé monter c'est l'aime commencer à fin l'école m'a voyé CV et puis depuis CV a écrit H1H yo parler le wow. Depuis yo voir son black ou pas jeune job là son réalité lié Québec là non nous pas ca passer outre lui parce que me songer me parler avec un dentiste dans téléphone li parce que moi étudier dans domaine dentaire et li dit moi OK n'a prend rendez-vous nous passer première entrevue qui dans téléphone tout était beau l'aime paraître li dit hein ou son noir oh comme ça le jour ça li dit ou pas gain non noir non là dans téléphone non ou pas gain accent noir là. Fait mais à raison c'est un bagage qui était tellement et c'est ça qui t'a incité malade encore plus parce que passé au moins 2 ans à vouer CV sans réponse sans réponse oh je te le dis c'est tout le monde c'était un bagage qui oui même dans l'autre pays oui mais parce que mon pense c'est juste Haïti bagage là le bagage là dans grand pays tout ça c'est vrai et juste qu'on y a pas banni ça c'est censé finir à un moment donné ouf mais juste qu'on y a mettre vous en CV ben mon yo pas prendre non son bagage juste qu'on y a pas comprendre non. C'est pas pour rien me vienne entrepreneur, c'est pas pour rien m'a chercher faire affaire pam. Okay. C'est parce que chaque fois vous voyez CVA, yo pas bon soit yo du trop qualifié ou bien yo du pas assez qualifié. Fait que son problème qui gagne dans communauté et dans société. Fait que c'est comme ça et parti activiste dans vienne développer la caille moi, l'aime vienne garder moi ça y a fait nous et puis me vienne tomber dans cheveux naturel là. Cheveux naturel pour ça pour vienne activiste automatiquement. Automatiquement, on ne doit pas développer. Mais on vient activiste automatiquement parce que on vient gagner on réembrasser identité et leur réembrasser identité là gagner c'est des bagages ou pas accepter encore fait que c'est quand on vient révolter c'est ça on vient et puis
réaccepter identité là au bon j'en venir parce qu'on vient développer une confiance en soi une estime de soi et qu'aime s'ouvre les pour rentrer dans phase ça sous te support que jamais permanent dans vie son l'autre bagaille mais sous autre qu'on mettel complètement différent son bagaille même si c'est dans cas là chez mon petit monde qui retourne dans cheveux naturels là pour être comportement pas même gens oui, avec ça c'est vrai. Li pa même chans so di an mwen wè moun an pil moun kon si moun kon fè cheve naturel comportement ou chans men so di an c'est vrai gen moun tou mwen wè ki fè cheve naturel ki fè juste parce que quand on mode vini yo fè oui mais pas mais qui vraiment pourcentage la plupart yo changé comportement ça le di an c'est vrai yo changé comportement mais quand comportement a changé fait que c'est comme ça me vinn retrouver activiste j'étais vice présidente de la Ligue des Noirs du Québec j'ai je suis militant j'ai créé nous sommes la Ligue des Noirs nouvelle génération et je suis tombée dans les affaires afro pourquoi n'aime pas fondir mes sorties mais galère on va yo même pour aller en élection c'était la même chose c'est les oui parce que changer oui. Et les sont envelés pour parler de ça parce que moi-même, m'tap suivre ça à l'époque. M'tap suivre ça et m'pa cacher d'où moi pas habité Montréal mais sin de la sin té. Mon citoyenne qui habite Montréal non franchement. C'est ça que ça m'a dit. Mais on connaît campé d'homme parce que m'étais suivi. Oh. Et moi-même ça t'a fait mal personnellement que m'bagarrer. Cette... Oh. Ah, ma bonne au Mexique. Ouais, bah élection ça. Je voulais pour parler de ça parce que moi-même ça t'est vraiment venu chercher et m'gain l'autre monde alentour moi qui entouré moi, ça t'est venu chercher. Ouais. Mais ouais, bagay élection ça. Bon jour. Là où c'est mon ou pas quitter mon bêtise à figure. Oui. Parce que ou pas qu'à nos communautés pour y a bêtise à figure, j'en ai oublié. Ouais, moi-même on fréquente m'ka parler parce que m'pa manger l'argent à ken moun m'pa dou en ken moun comme voilà. Dit m'pa nan coucher même verbe coucher m'pa nan coucher conjugué avec moun m'pa nan je couche tu couche il couche nous couchons avec moun fait avec ça ou respecter tête tout voilà même blanc tout ou pas bon manger ça veut dire ou pas ka rancer avec figim ça veut dire ou non communauté qui c'est communauté haïtienne non qui Montréal nord m'fait 15 ans sur boulevard Henri Bourassa. Ça veut dire qu'on est Montréal Nord tout de même. 15 ans, mes amis. C'est pas 15 jours. C'est pas 15 jours. Voilà. Je fais 15 ans sous boulevard Henri Bourassa. Montréal Nord, je connais le développement de Montréal Nord. Il y a un racisme dans Montréal Nord. Et les policiers, yo yo méchant la plupart nan yo parce que m'ai trois frères dans Montréal non toute journée y a cogné la caille moi ça veut dire m'compte ça m'a parlé a moun pa ka dim bon anana pour Suzanne vu que n'a fait une émission en créole fait expression créole moi a sorti oui ou pa ka bon anana pour Suzanne pour dire comme ça oh oui telle chose fait telle manière c'est pas vrai l'on aller non secteur côté qui gagne en la majorité des jeunes, moi même pas parler des vieux, la majorité des jeunes sont des noirs ou bien des migrants, des immigrants. Et puis ou pas ba yo en quel modèle dans société a pour ressembler avec sort de jeunes ça yo pour suivre. Fait l'on prend Montréal Nord ou dit comme ça qui gain un paquet migrants qui viennent venir. Migrants ça yo pa parle un mot français ti jeune yo parce que quasiment tout migrant vini au c'est Montréal Nord ya rete oui c'est là et puis même le a chercher kay yo pa jeune kay l'autre côté toujours dans Nord c'est ça c'est là yo prend vol yo voilà. Fait l'on mette yon deux québécois de souche yon québécoise métissée et camerounaise on va se dire les vraies affaires OK en italienne yon arabe ou ap di m reme moun ki reme ou poisson krasé nan sos di risos pa ou pa mete yon grain haïtien et parce que haïtien sans honte ki fè m pa gagne nan Montréal non excusez m ki sa pou sa m di an parce que yo mare complot pour assiette diri yo mare complot pour yo ka toujours bon ti chèque c'est pour ça yo mare complot pour nous pas passer dans Montréal non c'est passé yo mare complot pour nous pas passer parce que soit garder l'église yo tout mette tête yo ensemble
pour moi pour yo pas recevoir nous dans Montréal non les mal dans l'église yo fermé porte dans figue oh attendez yo fermé porte dans figue c'est parce que haïtien la plupart dans yo sans honte yo pas comprendre ça yo faire et ça m'a dit là nous ancienne génération pas qui tant rien pour nouvelle génération yo détriper nous yo étriper nous jusqu'au miel et n'a payer ça yo ta faire et yo continuer à payer ou pas le gagote qui pral passer dans l'autre élection là nous pas les si ta petit chaise ba nous pour nous voir ça pral passer oui, oui comme dit l'opran ou prend toute l'autre nation à part nation qui vraiment besoin là ou voyez dans élection sont dit si jeune yo qui sont ba yo comme exemple yo pas gagne qui pour motiver yo représenter moi même là moi bagay là n'te kon parfois aller ou qu'on a fait réunion yo me kon aller me toujours avec libéral me toujours avec ah oui à un moment donné j'ai dit what the hell chérie non là les mal li un article dans article on dit oh oui nous fait toute communauté haïtienne non nous pas joignir aucun monde qui ca représenter yo oh wow. Tu viens de bêtiser avec ma personnalité et la personnalité de toute jeune qui est dans Montréal, qui a fait activiste avec nous, qui a militaire avec nous. Je suis tellement trouvé que la dérespectant, je me disais, ou descend, ou ka, non, eh bien, ouvre bouche parce que nous parlons. Oui, moi j'ai comme. Moi j'ai comme mais tout le monde pense c'est jouer m'a jouer mais moi même pas dans jouer yo pas prendre au sérieux parce que dans tête yo c'est activiste moi même pas jamais mal dans élection ah bon mais c'est moi même c'est dans JPP m'étais Jean le passé fait qui ça me fait me dit OK me lever m'aller dans élection et puis même t'as parlé pour moi devait aller comme indépendante. Mais Balara m'a vu côté, Balara m'a dit non, pas qu'à diviser le vote là. Parce que moi-même, j'étais là pour faire une campagne électorale. Je ne suis pas là pour jouer. Tout le monde pense que c'est son game qui était là, mais moi-même, ce n'est pas de game. Parce que l'avenir de la jeunesse haïtienne et des jeunes immigrants en dépendait pour moi. Parce que ça fait longtemps que ça y est là. Le Abdou Montréal Nord, c'est le secteur le plus pauvre qui n'est pas vrai. Et c'est le secteur qui gagne plus chômage. C'est le secteur qui gagne plus ceci, c'est le secteur qui gagne plus cela parce que il y a un paquet d'immigrants qui étaient là. Depuis que nous avons arrêté, nous avons toujours dénigré. Oh, c'est pas le monde, comme si pas le monde. Malaïti, c'est même bagarre. Un petit jeune qui a parlé de Montréal, non, moi, Montréal, non, la parlé, non, c'est pas Montréal, non, je connais. Tellement la dénigré Montréal. Juste, vous avez dit juste en Haïti, un petit jeune qui parle, qui veut dire qu'il n'y a pas de chambre, vient de Montréal, non, qui a dénigré. Vous comprenez ça, Mabdou, là? Fait que, l'aime déjà débarré ça, moi, l'élection. Mais haïtien pareil moi pas prendre mon corps. Ou quand ça fait les mal dans élection, moi pas mandé communauté à corim. Bon si yo pas te connaître bon m'a dit nous. C'est parce que m'étais là les Kerland mi belle tal dans élection. Même moun ki t'a prend pause à militer avec yo, c'est même nous même qui t'a descendre par quatre li. Moi même t'ai connu yo le soir. Les m'a passé sous boulevard Henri Bourassa. Nous connaissons Kerland. Même haïtien qui a dû la militer avec la même haïtien ça yo a descendre pour 4 Kerland mi belle dans Montréal Nord. Wow. Fait que les mal dans élection zanana paraît pour Zéphina, Zéphina paraît pour grand zanana. Fait que m'gèta konnen ça yo pral fè. M'ba akorim avec communauté haïtienne non. Pa jwenn moun vin fè edèm nan campagne électorale la. Wow. Pa gen moun ki vin fè appel pou mwen. Pa gen moun ki di Anastasia nou konnen nan élection mon chèk nou fò kado. Pa gen moun ki fè. Si goun bagay mwen dwe, c'est projet Montréal mwen dwe. Parce que c'est projet Montréal qui paye pankat mwen. C'est projet Montréal et malgré ça ouè depou mwen enragé, m'lage nan derrière projet Montréal. A c'est juste pou m'dou. Fait que c'est projet Montréal ndwe on bagay. Moi même t'es souterrain chaque 5h du matin jusqu'à 8h du soir et parfois jusqu'à 10h du soir tout dépendamment ça m'a fait souterrain wow. M'a mené campagne moi électorale moi et 5h du matin oui m'étais ancré parfois il y a monde qui pensait là sur Facebook yo pensait m'a grandam ou pensait m'a grandam on cognait des portes à Montréal non j'ai frappé des portes m'con gay italien te dit moi je veux rien savoir là je vais pas aller voter non et moi mon sa yo qui pourrait voter pour moi et là yo joine avec yo dit oui nous voter pour vous parce que ou travaille pour ça et première campagne électorale
c'est on haïtienne et l'regarder sur quoi quatre moi comment faire une noisime on te veut une noisime sur quatre là ouais 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 son vrai black oui là et puis ouais ou tu bout à foi dans tête moi oui malon on bagaille me garder mon petit jeune qui font un poème sur moi bah ça chavire me tête en bas. Wow. Les dit comme ça, j'ai toute parole m'ta dit pendant campagne là. Il prend tout, il fait un poème avec wow. Avec oui. Mm-hmm. Antigène. Il dit ou compte ça te tuer c'est parce qu'on pas gagné élection. Parce que tu nous as inspiré. Wow. Et t'es pour yom d'aller. Pour yom d'aller. M'ba d'aller tout grand monde vicieux tellement j'ai diré à poi. Qui essaie pour m'pas aller pour yo on parler avec yo là oui m'pas aller pour yo on parler avec mon là m'pas aller pour yo c'est pour ti jeune ça yo m't'aller pour jeune ça yo te gon même les m'pas ta jambe al nan élection nan vim mais pas gon moun k'a blié figim qui t'es sous pancarte là et pas gon moun k'a blié m't'a crié m't'a dit c'est pour jeunesse là m'pour aller parce que li lè le temps pour nous suspendre à couper paille en bas pied moun parce que nous pas vle wè moun nan mais m'en penser à communauté nous communauté haïtienne nan a souffri à cause de paquet indigent sa yo mes amis pa parler trop non défoulons parler émission ça nous t'ai invité nous connait qui est nous on a fait oh oui pas de problème okay. Mais Anastasia après élection qui sorti fait même oh my god m'a Jean-Paul m'tombé nan yon m'pa di dépression non même tombé nan bassesse depuis après élection parce qu'on connaît avant élection m'té nan bagay migrant yo m'pa konn si nou t'ap suiv ça lèm t'ap aidé migrant yo oui ça me songe ça gen moun ki pense c'est parce que m'tap pran nan élection ki fè m'tap aidé migrant yo c'était vraiment pas le cas là moi même c'est comme ça mi moi même aidé et puis on connaît m'fin nan bagay migrant yo 5 jours plus tard m'tombé nan élection c'est vraiment 5 jours 5 jours ça m'té obligé fonti délaisser Montréal aller Winnipeg m'dal Winnipeg et puis okay. Après Winnipeg m'tombé dans élection après élection ça ou konn ro fin bay jio énergie ou vide ou bay tout ou même parler tout pas arrêter rien quoi parfois madame konn rentre la caille là m'habiter pour moi m'pa gen manger en dedans caille là fait ou pas ka camper pour aller faire manger caille moi même là départ la caille moi m'étais quand traverser même pas capable ou brûlé ou pas aucun énergie ou vidé arrive un moment donné pendant élection gon semaine c'est rouler oui pour me descendre cabane là c'est rouler pour me rouler oui wow. Pour me descendre cabane là tellement manque d'énergie oui complètement parfois quand rentrer c'est dans mur pour mettre deux pieds pour sans qu'à descendre tellement marché parce que on connaît district m'étais dans district Marie Clara et district man plus gros que Hauteville Clermont fait tellement marché et puis toujours souvent pour contre moi à marcher et puis parfois on connait pas non bagaille l'arrive au jeune parti adversaire toute équipe lui pour même pour contre ou pour contre fait après élection m'étais parti pendant 2 semaines mal Winnipeg et puis c'est pendant mon arrivé Winnipeg m'a dit bon ça doit faire Anastasia avant élection avant arrivé migrant m'étais gon événement que m'étais préparé qui était les 50 nuances de beauté après m'étais gagné le mois de l'affirmation de la femme afro c'est toute bagarre m'étais annulé à cause premièrement et pour 50 nuances de beauté m'étais annulé à cause de migrant yo et puis après affirmation de la femme afro m'vinn annulé à cause de élection fait m'dit bon ça m'va le faire comme font bail parce que si m'ba font bail j'ai l'impression qu'à tomber dans une grosse dépression oui c'est wow. Ça oui c'est vrai fait m'dit bon me relancer c'est 50 nuances de beauté fait que là m'dit bon pour relancer 50 nuances de beauté faut ou travailler avec intelligence m'dit si m'ta dans l'élection m'ta dit pas gain diversité dans Montréal comme genre diversité a pas gain place li et li lè li temps pour nous font bagarre nous même tout noir là pour éviter diversité à venir joindre nous fait que lancer 50 nuances de beauté a pour le mois de l'histoire des noirs côté m'ta vle mener diversité à dans quelle année année ça OK année en février OK fait que
élection c'était en novembre, oui. Bâti en décembre de Winnipeg, après Noël montré et ouais, c'est après Noël ou bien avant Noël, montré avant Noël. Et puis m'relé deux trois jeunes moi bien avec eux, me dit écoute, on va faire 50 nuances de beauté, me besoin équipe. Et Timon yo t'es vraiment en attente de ça. Mm-hmm. Après toute fête yo nous lancer nous en janvier, en février nous fait 50 nuances de beauté. Ah, oui. Moi ce que j'ai aimé c'est que communauté haïtienne encore pas d'accord nous, mais c'était pas grave parce que toute chose arrive, tout ce qui arrive c'est pour un bagage qui arrive pour rien. Non. Dieu l'a voulu ainsi. Parce que si communauté a te gèlè te bakop nou, gèlè blanc pa ta bakop nou. Mm-hmm. Mm-hmm. Fè kounya sa le devoir t'ap suiv mwen depi les bagay et campagne. Non, même avant ça. OK. Depi bagay migrant. Oh. C'est depuis là que les journalistes ont commencé à s'intéresser à moi-même. Okay. Parce que pendant que j'ai mis en LCN, qu'on posait une question, et le Journal de Montréal, qu'on voulait suivre moi. Mm-hmm. Et parce que j'ai besoin de si bagaille, je t'apprends, je comprends ça, Mabzoulan. Fait que j'ai un pire journaliste qui t'a suivi. Voilà. Fait que j'ai un pire journaliste qui t'a suivi moi. Fait les 50 les ouais comment m'a lancé 50 nuances de beauté à ouais côté m'inviter et communauté aveugle m'inviter et trisomique 21 m'inviter tout le monde venir participer dans défilé hein. Yo vraiment aimé contexte là et puis yo aimé concept oui oui, oui, oui okay. Yo vraiment aimé fait que yo vinn camper derrière nous. Yo vraiment vinn camper derrière nous. C'est pour ça nous t'ai fait couverture page Le Devoir le 24 février dernier et nous même événementé le 25 côté gen moun qui dit est-ce qu'on paye parce que LCN a parlé de nous et Journal de Montréal Radio Canada fait tout monde a parlé des événements moi même pas monde qui regarde télévision fait que les yo relem pour y a dit comme ça tout monde a parlé de nous fait comme waouh OK. Et ben voilà, c'est ça, c'est un peu ça, c'est 50 nuances de beauté et nous continuons à travailler sur lui. Fait nous commencer lui, nous faire lui pour moi de l'histoire des noirs et puis là nous fin faire pour moi de l'histoire des noirs et puis nous doit faire dans 20 pays sur une période de 2 ans. Mais là nous avons un petit problème de budget. Parce que c'est pas si c'est 20 pays. Ouais, ça demande beaucoup d'argent. Et puis mais gombala qui pas programmé sous programme moi c'était Haïti il pas programmé pour me rester aussi longtemps en Haïti parce que buon c'était aller dans chaque pays pendant un mois pour faire mais Haïti c'est côté soit ils font bagaille ou pas ca loin faut qu'au souterrain pour gérer. Fait que c'est vraiment ça oui ou gen moun k'ap travaille dans équipe mais c'est pas même bagaille laisse moun k'ap travaille dans équipe là qui déplace al coton moun que si c'est ou même qui la personnellement oui le ou même qui la personnellement au senti bay ou bien fait oui mais c'est même pas ça yo pas recevoir moun dans même javo ah oui c'est vrai yo pas recevoir moun dans même javo fait que c'est pour ça que nous et les malais pour un mois et puis me retrouver bon parler nous de Haïti vraiment parce qu'on est nous voulons rentrer non bagage oui c'est ça au moi même ouais sur internet et puis elles sont comme si juste dis nous depuis qu'il est que au parti parce que nous pas tellement gain longtemps de vous tourner tout et moi même t'ai ouais quelques live de madame alors exactement alors t'ai un paquet de belles lives que vous faites parce qu'au tout début moi même pensais que vous allez pour un petit temps puis c'est là mais c'était le cas et puis après moi oh live a fait dit oh pas là ici toujours. Alors parlez-nous de ça parce que les gens font pas qu'être bagages en Haïti. Alors vous voulez pour partager. Écoute, nous t'es supposé à l'Haïti pour mal représenter diaspora, jeunesse diaspora haïtienne, okay. Okay. Et non MAV le 17 avril et événementé le 18 ou le 19 avril quelque chose de même. Mais malheureusement les mauvais mon jeune homme pas inscrit sur liste. Si moi pas Haïti. Encore, juste mettre écran et puis tu m'expirais. J'ai pas voulu faire.